Hey yo tout le monde, c'est Limonti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rush dans le top ladder sur le petit compte. J'ai tout simplement pris le compte qui était le plus haut entre mes deux comptes. Donc c'est tombé sur le petit, on est à 2462. On est toujours sur ce petit mineur poison, franchement je l'aime vraiment bien. Et surtout, il a pas mal de succès dans la méta, donc il est bon. Moi j'aime bien le jouer, donc c'est juste parfait les gars. C'est tout ce qu'il faut pour un petit deck ladder. Et on est parti directement sur un par match-up miroir. Je crois que c'est mineur poison en face avec les tours princesse. J'ai hâte de voir les prochaines troupes de tours, honnêtement. Je sais pas à quelle cadence ils vont les sortir par rapport aux évolutions. Les évolutions, je sais qu'ils aiment bien se baser à peu près sur une par mois. Mais j'ai hâte de voir ce que ça... Par contre, non, ça, j'aime pas ça. Bourreau, déjà, j'aime pas du tout. Est-ce que ça finit? OMG. OMG, le petit prince. Non, My Dream, le petit prince. Vas-y, on voit ce que je pense. Voilà, parfait. Hop, hop, hop. Hop. Et c'est juste carré Indiac. Je crois que j'ai déjà gagné, les gars. Je crois que j'ai déjà gagné. Parce que là, si je fais ça... Hop. Putain, j'ai fail. Mais quel débile, j'ai fail. Quel débile, les gars. J'ai jamais vu un débile pareil. J'avais juste envoyé Swall. Bah j'ai... Ouais j'ai troll les gars. En fait j'ai changé d'avis. Au début je me suis dit vas-y je mets le mineur derrière. Après je me suis dit non il va tornade, je le mets devant. Après je vois. Quand tu changes d'avis une fois c'est jamais bon signe. Là par contre est-ce qu'il va partir en ballon ou pas? Ok tu auras bombe ici. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Petit pré-shot du bro. Petit pré-shot du bro. Eh ouais mon gars. Tu vas aller nulle part avec ce petit bourreau, je te le dis, mon ref. Oh, je pré-shot tout le monde. Oh, oh là 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 là, la vidéo qui commence déjà. Très très fort, les amis. Allez, encore. Oh non, voilà, sauce. Envoie-moi ça là. Envoie la sauce Mokhtar. Je peux pas. Je suis au mitard. Putain. En vrai, je m'attendais à plus. Hein. On l'a double pré-shot. Hein. On a pré-shot bourreau et pré-shot mineur. Et même avec ça, on n'a rien gratté. Ce jeu de merde. Ah là, tu peux pas def là. Là, t'es dans la sauce, mon petit là. Vas-y, petit poison. Hein. Je pense poison bûche. Poison bûche pour le bourreau, ça devrait suffire. Je sais pas du tout si ça suffit. Hein. C'est assez expérimental là. Ça suffit pas du tout. Ok, bah j'ai envie d'en. D'en finir. Est-ce que ça finit? Ça finit toujours pas? Ah si, quand même. J'allais dire, il veut pas mourir ce bourreau. On peut faire ça, ça peut être intéressant. On force un bourreau. Comme ça, on peut défendre tranquille avec les gargouilles de l'autre côté. C'est exactement ce qu'on voulait. On met ça, ça. Hop. Parfait. Oh là 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 là, on fait des bonnes défenses. Hein. On fait des bonnes petites défenses, les gars. Merde, non. Allez. Non. Non, 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 non. S'il vous plaît, un petit effort. Fu. Pas de fût. Le bourreau. Oh, c'est chaud. T'as connecté, je crois. J'ai pas regardé. Hein. Moi, j'étais concentré sur la défense. Ok, on commence par une petite victoire. Ouais, c'est le top ladder, les gars. C'est pour ça que j'ai fait quelques games avant de lancer rec, parce que ça va très, 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 très vite. Les joueurs à ce niveau-là de trophées, en général vers le top 1000 les gars, les joueurs c'est des joueurs qui spamment toute la journée, qui spamment des heures et des heures de ladder, donc ils sont super agressifs. Ça va pas du tout être le même style de jeu que les joueurs pro en compétition ou les joueurs pro dans le top ladder où là ils vont peut-être un peu plus prendre leur temps et poser le jeu. Non là c'est Banzai dès la première seconde les gars, là je peux prendre un bélier de combat, je peux me prendre une voleuse, je peux tout me prendre là. Je peux tout me prendre, c'est quoi ce deck de merde, c'est 3M? Je sais pas ce qu'il joue en face, de toute façon, tant qu'il n'y a pas de splasher, tant qu'il n'y a pas de cimetière les gars, moi je suis refait de fou. Oh, bridge spam, ok, intéressant. Intéressant de fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, ça. Hop. Est-ce qu'on a assez? Ah, il a eu le temps de kappa, malheureusement. Après, Oh non mais frérot, c'est quoi cette queen là? Vous avez vu la value de la queen? Comment il def? Oh comment il def!
Allez, saute, saute, saute. Il s'est pas fait sauter. Est-ce que si je défends avec les gardes, on a une petite contre-attaque là? Est-ce qu'on aurait pas une petite contre-attaque là? T'as capté? T'as capté ou pas la petite contre-attaque des gardes là? Ah, ça, j'ai pas capté ça. Ok, j'espère qu'il va pas poser ses barbares de l'autre côté. En vrai, je sais pas s'il y avait besoin de cap 1. Je pense peut-être bûche, ça aurait été mieux. J'aurais économisé 1. Après, il doit défendre quand même. Il doit défendre les deux. Il cap 1. Ok, non, ça va, ça va. Ça reste worse. On va même pas défendre la queen. Vous savez quoi? On va mettre la pression directe. Puisque... ah, puisque c'est la merde. À quoi tu veux? À quoi tu veux? Deuxième kappa. À quoi tu joues, poteau? À quoi tu joues, frérot? Non, ça a sauté. Je voulais que ça remette un coup. Non mais je vous ai dit quoi, les gars? Le top 1000 ladder, c'est que des détraqués. Vous avez vu à quel point on est agressif? Enfin, moi, je suis agressif. Je suis obligé d'être agressif parce qu'ils sont agressifs. Donc, j'essaie de les punir quand il faut. Mais vous avez vu à quel point ça s'envoie. Ça s'envoie, les gars. Ça fait pas semblant, hein. Oh là là, l'esprit de glace qui évite les petites fléchas. Oh. Magnifique. Et on a juste à... Je savais qu'il est pré-shot. Il aime trop pré-shot, les gars. Ils aiment trop ça. Allez, il a perdu, frérot. Hein. Là, c'est ce qu'on appelle game over. Une correction, les amis, ce qu'on est en train de lui mettre là. GG. Bon, très très bon match-up aussi pour nous. Vous voyez, on a beaucoup de bons match-up, hein. Donc si je joue correctement la game, il peut pas faire grand chose, hein. Les tours canons font trop de value. C'est très très fort. Je suis content à peu près de l'équilibrage, je trouve, de la tour canon. Là où ça me dérange vraiment, c'est que ça va vraiment vers une version pierre-feuille-ciseau de Clash Royale. Parce que là, si je tombe contre cimetière, j'ai auto-lose. Et si je tombe contre Brispam, j'ai auto-win. Donc il y avait déjà le facteur des match-ups sur Clash Royale. Mais en plus de ça, maintenant tu rajoutes les tours. Bah les match-ups vont avoir encore plus d'impact qu'avant. Et ça va être de plus en plus dur de gagner toutes les games. Enfin, de gagner plus de 50% des games. Donc ça me dérange un petit peu. À voir. Vraiment à voir quelle troupe de tours ils vont faire. Si ça se fait ou pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? On va cycler ça comme ça. De toute façon, il n'a plus de bouliste. Ah bah c'est cimetière. Ah bah tiens, ça m'étonnait, les gars. On avait fait... C'est vrai qu'on a fait un petit peu trop de victoires là. Il fallait quand même équilibrer un petit peu les choses là. Il a assez pour les flèches. Oh ouais, c'est chaud là. Swipey, swipey. Swipey, swipey. Ok, il a pas capa. J'aurais pensé qu'il avait capa. Ça va être très très dur. Hein. Très très dur de gagner là. On peut tenter. En vrai, il faut que je mette la pression tant qu'il a pas le bouliste. Mais il va le récupérer à chaque fois. Hein. Ok. Ok, kappa instant. Je pense qu'il a pas assez, mais là, c'est pas suffisant. Hein. Allez, allez, encore. Allez, allez. Ok, on a mis la pression. Là, on est bien. Hein. Je pense que il est un peu en retard. Il va mettre les flèches. Ok, je mets les gardes. Les gardes au pont. Est-ce qu'on peut mettre une petite pression? Il a plus de boule de neige. Hein. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups, sept coups, huit coups de garde. Respect, hein. Respect, mec. Bon, bah là, on a fait le plus dur, c'est-à-dire gratter des dégâts. Maintenant, il n'y a plus qu'à... il y a juste plus qu'à full DF avec le poison. Il faut surtout pas envoyer le poison en attaque. Hein. Vous me le rappelez, les gars. Que le poison en défense. Attendez. Il va mettre Archer et vous, là. Ouais, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? C'est quoi ces boulistes de merde, là? Il joue à quoi, les gars? Ah, il veut que je poison.
Ouais, tu crois que j'ai pas vu clair dans ton jeu là? Moi j'ai juste bûche hein. Hop. Ah, je vais pas prendre de risque frérot. J'ai aucun risque à prendre là. Regardez, hop. Là je sais que je peux défendre sans utiliser mon poison. Et là je vais pouvoir l'utiliser en attaque du coup. Hop. Et là ça va faire son petit boucan. Oh là 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 là, en train de lui prendre une petite masterclass là. GG. Bon, il était pas très fort, mais normalement, s'il me tire, c'est plus difficile. Là, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a mal cyclé ses cartes. On a cyclé assez rapidement le mortier Evo. Et on a réussi à avoir son mortier Evo avant même le premier cimetière. Donc, bien joué à nous. Bien joué à nous, bien joué à nous. Continue à enchaîner. Vous voyez ça, normalement, je dois jamais le gagner. Soit je dois jamais le perdre. Et ça, je dois jamais le perdre. Donc, pour le moment, ça va. On est à 2-1 en termes de match-up favorable. Et on est à 3 victoires. Mais ça, c'est parce qu'on est trop fort, ça. Là, vous connaissez la chaîne, les gars. On n'y peut rien. Allez. Enfin, une autre game. Là, je pars direct en mortier, c'est bon. On a de la win à aller chercher. Oh, putain. Quoi? Attendez, mais il a sauté trop bizarrement. Vous avez vu le prince? Il a sauté sur le côté. Au lieu de sauter ou d'aller tout droit, il a sauté sur le côté. Chauve-souris. Oh, et voilà, et ça y est, on enchaîne les match-up de merde. Et ça y est. Et que je t'envoie des chauves-souris et toutes les petites troupes du jeu. Bon. Comment on va faire ça? On va split ça. Ouais, ça, ça me paraît bien. Est-ce qu'il va oser mettre son géant gob direct là? Non, je pense pas. Hein. Voilà, bon tout. Il faut vraiment que je joue autour du mortier, je pense. J'aurais peut-être pas dû le mettre du même côté. Je pense que j'aurais dû le mettre à gauche. Parce que là, du coup, il va pouvoir contre-attaquer. Ouais. Là, je laisse gratter en vrai à gauche. Ok. Ok, on a réussi à choper les bats. Ouais. Pas fou, pas fou. En vrai, ça va, hein. Parce qu'on avait quand même les points de vie de retard de début. Non, franchement, pour le moment, ça va. Il a bat Sevo sur la prochaine. Il a boule de feu flèche aussi. C'est chiant pour le petit prince. Je sais pas si on va pouvoir mortier Evo en attaque, là. Honnêtement, on peut essayer, hein, mais... Ah putain, ça a tapé en... Ok, non, ça va, on a mis des bons dégâts. Voilà, maintenant, attention les gars. Attention au prince Batsevo qui va arriver là, juste là, juste là, là. Prince Batsevo. Prince. Il manque les Batsevo, frérot, là. Ah, j'aime trop en vrai. J'aime trop mon deck, les gars. J'aime trop ce deck. Il est trop horrible. Genre, la pression entre le mineur poison et tout, c'est insupportable, les gars. C'est insupportable, mon deck. C'est insupportable, les gars. Regardez, pour rien faire. Incroyable. Vas-y, hein, on prend le temps. Hein. On n'est pas pressé, les gars. Hein. On n'est pas pressé du tout. Hop. Attendez, mais la triple sort là? C'est quoi ce délire encore là? Qu'est-ce que c'est que ce délire encore là? Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est pas... ça peut vraiment vite partir en steak là. Je pense qu'on va full mortier def. Hein. Full mortier def, je connais les bails.
Deux coups, trois coups de mineur, on essaie de gratter à droite à gauche comme on peut hein. Là, je sais pas ce que c'était. Allez. Allez. Je sais pas si ça finit donc on va pas prendre de risque les gars. GG. 4. Ah mais attendez, on va faire que des 100% de win-rate là, c'est pas possible. GG ma petite. Bah au final c'était pas si chiant que ça hein. Je pense qu'il a mal joué son cycle ou ses chauves-souris. On a quand même pas mal de trucs pour, pour les princes mais triple sort hein. Triple sort avec les flèches, je pouvais vraiment faire de la value hein. Boule de feu aussi, si je collais mon petit prince à mon mortier. Ils aient vraiment beaucoup de value sur les sorts. Bon allez là les gars, c'est que du bonus. On a fait notre rush de la vidéo. Maintenant, il faut aller chercher le 100% là. Il faut aller chercher le 100% parce que je sais qu'il y a une grosse tendance et ça vous fait bien rire. Où je perds chaque dernière game de chaque vidéo. Ça, vous avez bien remarqué. Hein. C'est Molos? What? Ah ouais, toi tu rigoles pas toi. Toi t'es un mec, tu rigoles pas. Il rigole hop. Let's go. Ah ouais, tu veux me mettre la pression avec un mini PK? Voilà, c'est ça. C'est ça, continue. Tu veux me mettre la pression avec un mini PK? Moi, tu mets la pression, moi, tu... Ils sont fous les joueurs, ils sont fous les gars, ils sont fous. Ils ont oublié qui était l'ancien ici. Hein. Ah ouais, c'est trop chiant cette interaction là. Il y a boule de feu. Bon. 2400 points de vie. On n'est pas encore dans le x2. On n'est pas trop mal niveau LX. Est-ce que j'enverrai pas un petit mineur là? En vrai là, un petit mineur gargouille là. Histoire juste de l'embêter un petit peu. Là, est-ce que... Comment il def là? Iwiz? Je pense Iwiz hein. 4 pour 6. Moi je gratte mes dégâts, ça me permet de recycler un peu, ça me va hein. Ça me va, ça me va. Surtout pas mettre le petit prince fond de map parce que si Zappy s'aim lane c'est la merde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça je le savais hein. Oh, je tente des trucs les gars, c'est expérimental hein. Ah il va BDF. Je pense qu'il va BDF. S'il boule de feu pas, il est dans la merde hein. Ah je suis bien ça def non? Ouais c'est bon. Ok. Mortier def, on prend pas de risque les gars. On a l'avantage en dégâts, on s'en fout. On peut recycler son mortier Evo, tranquillou. Ah, on est tranquille, hein. Petite bûche, histoire de gratter un petit peu plus cette Iwiz là. Voilà, la vie est belle. Petit poison, premier poison. On fait attention au double push, voilà, avec le géant gobelin à l'opposé, on connaît. Qu'est-ce qu'il fait mec? C'est quoi ces push? C'est quoi ces push? Effrayant tes push là mon petit là. Mon petit gars. Effrayant tes push là. Ah c'était pas le bon Zappy là. Eh bah écoutez, full win aujourd'hui. Full win, on aura quasiment tout tapé. Bon, non, pas tous les archétypes, vas-y, la vidéo elle fait pas une heure, mais on aura tapé un petit peu de tout. On aura même eu du cimetière. 2600. Parfait.
Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était le Mouti. Ciao, ciao. Putain, les câbles. Il y a combien de câbles ici?